Nous sommes le mardi 18 août 2020 et je suis parti faire un tour, là, toujours en partant de la place de l'Argentine, ce coup-ci sur la route forestière des Bois-Brillats. Donc voilà, c'est une route, hein, c'est pas un chemin. Hein. Enfin, c'est une route qui est fermée à la circulation automobile. Hein. Il n'y a que les piétons et les cyclistes qui peuvent passer. Et puis voilà, je vais aller faire un petit bout de marche comme ça, parce que ça fait du bien. Il fait pas trop chaud aujourd'hui. Et puis il risque d'y avoir des orages. Donc je ne vais pas m'éloigner beaucoup. On verra bien. Allez, à tout à l'heure, on découvre ensemble. Bon, voilà, il y a du bois pour la peine. Hein. D'ailleurs, cette route, quand la barrière est ouverte, doit servir au chargement des camions de grumes. Hein. Alors, chemin faisant, je prends une autre route forestière qui s'appelle la route forestière de la tempête. Parce que il paraît que lors des tempêtes qui sont expliquées sur le panneau que j'ai photographié là, il y a pas mal d'arbres qui ont été déracinés et là ils sont en train de replanter pas mal d'espèces et ils ont appelé ça route forestière de la tempête. Voilà. Bon, visiblement cette route n'est pas très fréquentée hein, et la nature est en train de reprendre ses droits comme on dit hein, puisqu'on a de l'herbe au milieu de la route là. Bon, ça devient un peu plus joli, je dirais, à partir d'ici. Hein. Faut juste aimer faire de la marche, hein, parce que on traverse les bois, mais ça ressemble pas à un chemin forestier. Hein. Ça manque de côté sauvage. Bon, après une heure de marche, hein, sous le soleil, même s'il est moins fort que les autres jours, je trouve enfin un sous-bois, je vais aller par là. J'aime bien les sous-bois. Bon, ici, ça commence à souffler. Bon, je vois une éclaircie là-bas, au bout du chemin. Je vais aller voir. Bon, là, on a des gros nuages d'orage qui se forment. Hein. Ça va pas tarder à faire blom. Ça, c'est un coin à gibier. Alors là, comme ce pain de sel est assez haut placé, et j'en déduis que ça doit être pour les cervidés. Et voilà comment je les aime, moi, les petits sentiers forestiers avec de l'herbe. En fait, quand on est sur le plateau, il y a 10 routes forestières qui partent à droite, à gauche, il y en a partout. On ne sait pas trop où aller. Bon, je vais prendre celle-là du Mikado, ça me fait marrer, moi, le Mikado.